Kumasi, lobe mi mumi. Ibo siku, sikazi lobe bati. Amis de Vet News, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Marco SFR, c'est comme ça il s'appelle, le plus connu dans la, sur ce pseudonyme-là, SFR, parce que bon, en tout cas, c'est un grand mania de l'organisation des spectacles. Voilà, c'est un producteur d'artistes. Voilà, nous sommes avec lui pour parler de la nuit des paroliers et des associations qu'il organise le samedi 26 mars 2016 au 12 chemin du Moulin Bassé à Saint-Denis. Bonjour Marco. Bonjour Tidiane, comment tu vas? Pourquoi SFR? Parce que je travaille chez SFR et c'est d'ailleurs Saizo, un artiste que je produis, hein, qui est connu hein, sur la place, qui m'a donné SFR pour faire la différence entre les autres Marco. Il voulait qu'on... Voilà, pour faire la différence, c'est Marco qui travaille chez SFR tout simplement. Donc Marco SFR. D'accord. La nuit des paroliers et des associations. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept. De la place parisienne. Exactement. Alors, ça a été vraiment apprécié par les associations. C'est-à-dire que j'ai remarqué que sur la place parisienne, les associations œuvraient seules dans leur coin, les artistes aussi seuls dans leur coin. Et j'ai voulu, moi, créer un plateau où les artistes et les associations allaient se réunir pour valoriser le bienfait de ces associations envers nos populations africaines. Hein. Et puis, pourquoi pas valoriser aussi le bienfait de nos artistes, les paroliers, les gens de la parole. Les gens de la parole, les paroliers. Les griots. Les griots. Ouais. En fait, c'est aussi un autre genre musical. Ah, ouais, spécifique. Qui peut se faire forcément sans musique. Tout à fait. Voilà, c'est des griots des temps modernes. Tout à fait. Si on peut les appeler ainsi. Pourquoi forcément réunir ces paroliers-là, ce 26-là? Voilà. Ce 26 réunit les paroliers parce que Magiprod, qui est ma structure de production et d'événementiel, a voulu faire un clin d'œil à cette musique tradie moderne qui me touche. Moi, je suis moderne, mais j'apprécie tellement cette musique-là que j'ai voulu apporter une pierre à l'édifice, en les mettant aussi en valeur. Parce qu'aujourd'hui, on parle coupé-décalé, on parle zouglou, alors qu'il y a ces jeunes artistes qui sont pétris de talents, qu'on ne remarque pas, et j'aimerais les faire remarquer à travers un événement, qui serait un événement de taille, qu'on va répéter chaque année, pour les mettre en valeur et savoir qu'en Afrique, il y a des choses, de très belles choses qui se font. Voilà, nous avons eu tout à l'heure, avant même que M. Marco de SFN arrive sur le plateau, nous avons eu en off les Saizo et Alain Guise. Voilà, on les regarde et on revient sur le plateau. Alain de Guise, dis-moi, c'est quoi un parolier? Un parolier, c'est quelqu'un qui utilise le verbe pour se faire comprendre, se faire entendre. Un parolier, c'est en quelque sorte un griot. Voilà. Est-ce que le parolier, c'est pas, comme les Blancs le disent, un slimer, Saizo? Oui, il peut le dire, ça a l'air manière de le dire, mais chez nous, on les appelle les griots. Le griot, c'est quelqu'un qui annonce la parole pour éveiller le public. Comment on devient parolier, Saizo? C'est tout simple. Pour devenir parolier, ça dépend des thèmes que vous évoquez dans votre chanson. Pour... Non, je dis, est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on est avec ça? Est-ce qu'on apprend? Oui, on peut apprendre comme on peut avoir un don pour ça. Ça dépend. Il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre la parole et il y a des gens qui naissent avec la parole. Non, c'est le cas de Saizo. Exemple. Donne-nous quelque chose. Fais-nous un petit slime, non? Attends, non, non, non. Wagrutsokolo wagrutibo wagrutsaka wanuke kapina kakauna lobia tobuli tidogo pulupa waliba awala kangono la di joye ngono le mie. Bon, ça, si tu fais tout relire le verset, ça ne va plus rien. Oh,
Je vais demander à tous les mélomanes, à tous les fans du groupe Les Giz, à tous les fans de Saïzo et à tous les fans de notre papa Boni Niaoré qui sera là lui-même. Il est à Strasbourg, donc il n'a pas pu être là ce matin. Je voudrais demander à tous les mélomanes, à tous les fans, à tous les fans de la parole, à tous les fans de la bonne musique, de la bonne mélodie, de faire le déplacement, parce que ce jour-là, je ne peux pas aujourd'hui leur dire ce qui va les attendre, parce qu'il y aura des surprises, et puis sur scène, ça va être du lourd en fait. Donc on leur demande tout simplement d'effectuer le déplacement, ils ne seront pas déçus. Voilà, c'était juste le petit passage que nous avons eu avec, avec Saïzo, le parolier, et Alain de Guise. Il va y avoir aussi Boni Niaoré. Oui. Vraiment très connu. Très connu. Des mélomanes africains et plus particulièrement ivoiriens. Oui, Boni Niaoré, il est... Il sera là vraiment parce que là, on ne compte pas trop. Il sera là. Il a même, pour cet effet-là, il a publié une vidéo que vous pouvez aussi voir sur les réseaux sociaux, confirmant sa présence. Donc il sera avec nous, il sera présent et les mélomanes peuvent venir, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc tout ça, ça va être le 26 mars 2016 au 12 chemin du Moulin Bassé à Saint-Denis. 12 chemin du Moulin Bassé à Saint-Denis. Donc tout ça va être fait sous le parrainage de M. Armand Kipré, oui. De la baronne d'Ainé, de Ferial Mami Kok. C'est une Libanaise. Une Libanaise qui a prouvé cette idée, hein, qui a dit, ben moi, je vais amener la partie libanaise que je connais pour cette soirée. Donc, vous aurez l'occasion de voir mal de Libanais dans cette salle. Madame Sylvie Gras. Sylvie Gras, aussi connue sur la place. Donc, en tout cas, nous souhaitons que ce soit Libanais, que ce soit du lourd, que les Ivoiriens se déplacent nombreux pour venir voir ce spectacle-là. Ouais. Alors, dites-nous votre petit mot de fin. Avant de terminer, sachez qu'à cette même soirée, il y aura aussi un défilé de mode. Comme j'ai dit, il fallait mettre en valeur la musique traditionnelle, mettre en valeur les associations, mais il faut aussi mettre en valeur nos jeunes qui font pas mal de choses. Donc il y a un défilé de mode traditionnel qui sera proposé par une sœur de chez nous. Et j'ai voulu qu'elle soit mise en avant, donc tous ceux qui seront présents verront un peu ce que les Africains savent faire en termes d'habillement du côté traditionnel. Et puis, le mot de fin, c'est te dire merci de m'avoir reçu. Ça, c'est important. Hein. C'est ce que j'ai dit à un de tes collègues, c'est si vous soutenez la musique tradie moderne, elle trouvera sa place. Donc, j'attends de vous pas mal de choses. Est-ce que des mélomanes qui soient là pour fêter ensemble. Venez à la musique tradie moderne et la musique tradie moderne viendra à vous. Oui. Mais on ne peut pas quand même se laisser comme ça sur ce plateau. Oui. Parce que nous les avons, hein, vos artistes qui vont prester le 26. Ouais, ouais. Nous les avons sur notre plateau. Ouais. Voilà, donc vous êtes là. On s'est parlé tout à l'heure en coulisses, mais vous êtes sur le plateau. Donc voilà, on attend votre petit message. Bon, moi, je veux juste demander aux mélomanes de se déplacer massivement. Ouais. Parce que ce jour-là, notre papa Boni Niaoré sera là. Il sera là Les Giz seront là effectivement, Saïzo le parolier sera là effectivement, et puis nous aurons nos mamans des associations qui viendront nous soutenir, nous aurons pas mal de monde. Donc ce jour-là, nous allons montrer ce qu'ils connaissent déjà et d'autres choses qu'ils ne connaissent pas encore, qui vont certainement découvrir ce jour-là. Lobe mi momi, ibo siku, sikazi lobe bati. Rendez-vous pris pour le 26 mars à Moulin Bassé. 12 chemin du Moulin Bassé. À Saint-Denis. Voilà. Bon les gars, merci. On s'attaque le 12.